Bonsoir, merci d'être venu aussi nombreux ce soir. Mais heureusement que vous êtes là, parce que c'est toujours un public de qualité quand il n'y a pas beaucoup de monde. Voilà, moi je voulais juste dire quelques mots pour vous expliquer un petit peu l'aventure qu'on a partagée ces derniers temps, mais qui a une histoire en fait. Voilà, donc je voulais vous présenter Edith, qui a un certain âge comme moi. On est nés la même année, je ne dirais pas. Mais on s'est connus, on avait une vingtaine d'années, on a eu une même prof de clarinette qui s'appelle Jacques Mimon, voilà, qui nous a apporté beaucoup de choses. Éminent clarinettiste qui est à l'opéra, et clarinette basse. Et on a partagé de grands moments avec clarinette basse aussi grâce à lui. On a préparé nos études, nos diplômes d'enseignants ensemble, enfin voilà. Et les années passent très vite. Géographiquement, Brest, Paris, Paris-Brest, c'est connu, mais pas facile à réaliser. Et voilà, donc on a toujours gardé contact. Et notre rêve, c'était de partager musicalement avec nos élèves, avec tout ce qu'on a pu transmettre pendant toutes ces années, chacun de son côté, quelque chose de... Voilà, qui marque un petit peu notre histoire, et puis voilà, musicalement, retrouver un petit peu nos valeurs. Et donc on a réussi, grâce au concours d'Emeline, ici présente, qui est ma directrice au Conservatoire de Croissy-Beaubourg, et puis M. Gaillard, qui fait éclairagiste ce soir. le technicien étant tombé malade, merci à lui de contribuer, d'être un peu partout pour faire en sorte que tout se passe bien. Voilà, donc ce soir vous allez rencontrer un rassemblement de clarinettistes. Alors, vous allez voir plusieurs clarinettes. La clarinette est une grande famille. Il y a des petites clarinettes en mi bémol. Il y a des clarinettes classiques en si bémol, celles qu'on apprend dans les conservatoires. Et ensuite, là, ce soir, vous allez voir en plus des cordes bassées, des clarinettes basses et même une clarinette contrebasse. Voilà, donc j'arrête de parler. Il y a Bruno qui va vous présenter les œuvres que vous avez sur le programme. En tout cas, un grand merci à Emeline, un grand merci à Edith, et place à la musique et bonne soirée.
Bonsoir. Alors, nous venons de vous interpréter le concerto de Saint-Marc d'Albinoni, incontournable compositeur du grand XVIIe siècle baroque italien, Tommaso Albinoni est principalement connu du grand public pour son célèbre Adagio. Ayant composé également de nombreux concerts, cette version du concerto Saint-Marc en si bémol majeur, qui incarne bien l'ambiance vénitienne du pur baroque italien, est une des rares partitions écrites à l'origine pour cordes et solistes, qui aura été arrangée pour l'ensemble de clarinettes et trompettes. Cet arrangement a été créé par le sextuor de clarinettes de Paris et le grand trompettiste Maurice André. Ce soir, à la trompette solo, nous avions Pierre Lucas. Le prochain morceau, Immer Kleiner, d'Adolf Schreiner, est une polka que je qualifierais d'humoristique. Immer Kleiner signifie de plus en plus petit. Je vais vous présenter Marège Lambert. Elle va démonter progressivement son instrument en commençant par le pavillon. Jusqu'où osera-t-elle aller ?
habituellement, quand on commence la clarinette, c'est le contraire. On commence avec le bec et on finit avec la clarinette entière. Voilà. Après quelques années, c'est le chemin inverse. Alors, souhaitant ce soir un programme varié et coloré, nous avons choisi de vous interpréter Orange Tango d'Alain Lopez. En utilisant ce titre, Alain Lopez a certainement voulu faire référence à la couleur orange mise à la mode par les danseurs de tango lors de son apogée dans les années 20. Dès le début du morceau, la clarinette basse nous invite à la danse sur une mélodie langoureuse et déhanchée.
Le prochain morceau, Fantasia, composé par Alexis Yesla. Fantasia est le premier mouvement du concerto pour clarinette, composé pour le clarinettiste et compositeur français Alexis Yesla, lauréat à Parme du premier concours de composition musicale consacré à la musique juive. Alexis Yesla a composé de la musique klezmer, de la musique classique, de la musique traditionnelle d'Europe centrale, de la musique de jazz et bon nombre de pièces à caractère pédagogique. Le concerto est écrit pour ensemble de clarinettes et clarinettes solo. Il se présente sous la forme d'une suite de danse. La première pièce intitulée Fantasia a été imaginée par Alexis Yesla comme une variation libre et sans frontières, destinée à la fraîcheur et à la souplesse de la clarinette en si bémol. C'est avec Brieux Duduyer, clarinette solo de notre ensemble souffliroise, que nous allons vous interpréter Fantasia d'Alexis Yesla.
Le prochain morceau, c'est un medley. Un medley de musique, de chansons de Yves Montand, que vous connaissez toutes et tous. Donc, je vais vous laisser les fredonner dans votre tête. Un micro qui n'obéit qu'au chef. Thank you.
prof de formation musicale dans cette école de musique à Poissy. Voilà. Le prochain morceau s'intitule Dixieland Medley. Le Dixieland, aussi appelé Early Jazz, est un style de musique jazz développé dans la ville de la Nouvelle-Orléans au début du XXe siècle. Diffusé à Chicago et New York par des groupes de la Nouvelle-Orléans dans les années 1910. Le medley proposé ce soir est un arrangement de Kenneth Abling, composé des morceaux That's a Plenty, qui est un ragtime de 1914, composé par Lew Pollack et Ray Gilbert. After You've Gone, chanson composée en 1918 par Turner Layton avec des paroles de Henry Creamer. Le tempo modéré et influencé par le blues de cette chanson sera accéléré, démontrant qu'After You've Gone pouvait être un véritable titre de hot jazz. Alexander's Ragtime Band, chanson écrite par Irving Berlin en 1911. La partition s'est vendue à plus de 1 million d'exemplaires la première année. C'est cette chanson qui a lancé l'engouement pour le ragtime. Margie, chanson populaire composée en 1920 par le pianiste et interprète Con Conrad et le pianiste de ragtime Russell Robinson, membres tous deux de l'Original Dixieland Jazz Band. Et pour finir, At the Jazz Band Ball, composée par Nick LaRocca et Larry Shields, et enregistré en 1917 à New York par l'Original Dixieland Jazz Band. Voici donc Dixieland Medley. Thank you.
Nous allons poursuivre avec la partita d'Astor Piazzolla. Astor Piazzolla, compositeur et bandoneoniste argentin, est considéré comme le musicien le plus important de la seconde moitié du XXe siècle pour la musique de tango. Chez Astor Piazzolla cohabitait une profondeur de sentiment, une capacité d'adaptation, une soif d'apprendre et une curiosité pour toutes les musiques. La partita, encore appelée merengue de l'amour, merengue qui est un genre musical né en République dominicaine. La partita d'Astor Piazzolla. Merci pour vos chaleureux applaudissements. Le Château ambulant est un film de Hayao Miyazaki, dont la musique est signée Joe Hisaishi. Il s'agit de la 8e collaboration entre le réalisateur et le compositeur. Le film d'animation japonais est une adaptation du roman de Diana Wynne Jones, Le Château de Hurle. Le Château ambulant.
Merci beaucoup. Aussi pour vous remercier, nous allons nous quitter par un morceau de musique klezmer. Le klezmer qui est une tradition musicale des juifs askénazes, c'est-à-dire d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, qui s'est développé à partir du 15e siècle. Les origines seraient les musiques du Moyen-Orient, ainsi que les musiques d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, les musiques slaves et tziganes. La musique klezmer était à l'origine utilisée pour animer les danses. Même si les interprètes sont toujours appelés les klezmorim, c'est seulement à partir de la seconde partie du XXe siècle que le mot klezmer a été utilisé pour décrire la musique jouée. Voici klezmer dance. Donc merci beaucoup, c'était une belle histoire. Merci d'être venu et je vous souhaite une bonne fin de week-end.